Après ces 3 jours de pré-mantica, à notre niveau, on peut faire un premier bilan assez positif puisque nous avons d'une part mené nos travaux un peu sur la question de l'espace public. Donc on imagine qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'après-attentat de Barcelone, de Nice, de Liège, il s'est avéré intéressant de voir quelles étaient les nouvelles approches de l'espace public avec un objectif, un espace public qui reste convivial, qui facilite la mobilité, mais qui sécurise aussi les gens. Et donc, on a eu l'occasion de mesurer quelle était aujourd'hui l'organisation de cet espace public, avec évidemment cet impératif que nous avions de manière tout à fait exceptionnelle et ponctuelle il y a 10 ans, qui est évidemment le risque d'attentat. Donc, on a eu ici une excellente présentation par la métropole européenne de Lille, qui nous a montré comment aujourd'hui elle gérait l'espace public, comment on arrivait à tenir encore un moment sportif dans cette grande journée lilloise, l'énorme brocante avec plusieurs milliers d'exposants, et d'assurer la complémentarité entre d'une part les services de la ville de Lille, de la métropole, mais aussi évidemment les services de police et de gendarmerie. Ça a d'ailleurs été l'occasion d'évoquer les coopérations aussi transfrontalières, puisque particularité à Lille, c'est qu'une quarantaine de policiers belges frontaliers rejoignent leurs collègues français pour gérer l'événement, comme inversement, des policiers et des gendarmes français vont à la Ducasse, comme on l'appelle, de Mons, ou au carnaval de Binche, qui sont ce type d'échange. C'était vraiment intéressant et ça a permis aussi de lancer cet appel qui avait déjà été évoqué par le Forum européen pour la sécurité urbaine lors des assises de Nice, qui visait effectivement à faire une plus grande prise de conscience de la nécessité d'avoir de la part de l'Union européenne des cofinancements dans ces projets, puisque ces projets concernent l'espace public. C'était la question aussi de l'application de drones dans ce type de projet, de la vidéosurveillance. Donc là, je crois qu'on est vraiment dans une table ronde qui a été très optimale à ce niveau-là. Deuxième table ronde qu'on avait centrée, elle était aussi sur évidemment un sujet éminemment commun aux pays francophones, et en tout cas certainement aux pays qui étaient ce matin autour de la table. Je pense effectivement à la France avec la ville de Bordeaux qui a un centre spécifiquement dédicacé à la problématique de ce qu'on appelle le désengagement ou la déradicalisation, qui a eu l'occasion d'échanger avec son équivalent, le centre de Bruxelles, qui a aussi mené à ce type de travail. Et on a pu voir aussi combien l'importance évidemment de renouer à cette fin sur le concept vraiment d'une police de proximité. On a vu qu'effectivement, c'est un débat qui a lieu dans toute l'Europe, qui secoue particulièrement aujourd'hui les propositions de restructuration de la police en France. On a pu voir un petit peu notamment à travers l'exemple belge combien le fait d'avoir une organisation policière qui est ouvert dans un débat avec le tissu associatif, qui est ouvert avec les municipalités, qui est très attentive à garder des commissariats de quartier, de garder vraiment un lien, je pense par exemple aux policiers qui participent à la rupture du jeûne au Ramadan. Donc il y a une autre approche en tous les cas qui permet évidemment de glaner énormément de prises de température, du climat qui existe dans nos quartiers, qui restent évidemment des quartiers difficiles, et de prendre cet élément en prise de considération. Je dirais aussi que des axes des travaux de ce matin, on parle beaucoup évidemment du départ des jeunes vers la zone Syrie-Irak. Ben, aujourd'hui, il n'y en a quasi plus du tout qui partent, puisque comme on le sait, la bataille là-bas est un petit peu perdue pour Daesh, et donc on a moins cette attraction. Par contre, évidemment, nous savons qu'il y a des retours qui sont amenés à être réalisés, et ces retours concernent évidemment l'ensemble de ces jeunes qui doivent aujourd'hui être pris en compte dans le cadre de ces retours, notamment sur les actions d'accompagnement social, de prévention, d'accompagnement des familles. Un des points clés de ce matin du débat, on ne stigmatise pas les familles. Les familles ont été désemparées pour la plupart, ce n'est pas pour ça des complices de terrorisme, mais une mère qui a envoyé de l'argent en Syrie à son gamin n'avait pas nécessairement comme objectif de s'inscrire dans le cofinancement d'une organisation terroriste. C'est intéressant d'avoir eu cette analyse-là. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est maintenant sur les nouveaux enjeux. Je crois que Préventica chaque année bouge avec ces nouveaux enjeux. C'était aussi l'intérêt d'avoir les pays d'Afrique, puisque à ces conférences, on a eu également l'occasion d'avoir la présence et l'intervention de nos amis du Sénégal, de nos amis du Maroc, de la Côte d'Ivoire, puisque c'est un nouvel acteur qui apparaît. Donc voilà, pour moi, c'est un bilan assez positif et on espère aller ainsi de l'avant.